La violence au travail englobe tout incident au cours duquel des personnes sont victimes de comportements abusifs, de menaces ou d'attaques dans des circonstances qui sont liées à leur travail. Ces situations, évidemment, vont avoir, pour les salariés qui sont victimes, des conséquences sur leur sécurité, leur bien-être ou encore leur santé. La violence, elle peut s'exprimer selon plusieurs niveaux de gravité et ainsi aller du manque de respect à la volonté de nuire, parfois même de détruire. La violence au travail donc peut aller aussi de l'incivilité à l'agressivité physique. Les violences peuvent s'exprimer aussi sous différentes formes. Aussi, on retrouve les agressions verbales, ça peut être des injures, des insultes, des menaces, des intimidations. Ça peut être aussi des agressions dites comportementales, du chantage, de l'obstruction dans le travail, parfois de la destruction. Et enfin, des agressions physiques, donc là ça va être des bousculades, des coups, des blessures. Enfin, les violences peuvent être externes, c'est-à-dire qu'elles proviennent de personnes qui sont extérieures à l'entreprise, mais peuvent aussi être émises par des salariés dans l'organisation, que ce soit les collègues, l'encadrement direct ou supérieur, ou encore les subalternes, les collaborateurs.